S3, S2, 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 demi, train. S2, S2, demi, S2, demi, absolument, et puis d'autres personnes, c'est une conviction qui reste à mon avis pleinement d'actualité, ils ont besoin d'une nouvelle offre politique. Je ne pense pas du tout que la plupart des Français soient satisfaits de l'offre politique actuelle. Et ce que j'essaie de faire, c'est de transformer les Républicains. Aujourd'hui, les Républicains sont perçus par beaucoup de Français comme l'un des partis du passé. Les Français sont nombreux à percevoir LR comme l'un des partis du passé. Ce que je veux faire, S2 fini. Ça peut paraître comme ça, mais pour ça j'ai plein d'idées. Je veux réorganiser le parti. Je veux qu'on bâtisse un vrai projet de gouvernement. Je veux qu'on s'appuie sur nos forces, sur nos équipes. Le Martillo. 2019, 2020, 2021. Il n'y a pas de vidéo Martillo. Un mot des Républicains intéressant après le sommet de Biarritz. Aucun. Silence total. Pardon, mais sur le sommet de Biarritz, deux choses. Premièrement, pendant le sommet lui-même, moi j'ai choisi de ne pas m'exprimer parce que je considère qu'on peut blablater pendant que le chef de l'État négociait avec des puissances étrangères. Pendant le sommet, ce n'était pas le temps de l'opposition. Après le sommet, j'ai fait par exemple une proposition majeure sur les questions de l'organisation du territoire en mettant dans le débat public la question du droit du sol. C'est un sujet, vous allez dire, qui a pas un lien direct avec le sommet de Biarritz, un peu quand même. Je constate. Si, un peu quand même, je vous explique. Au moment du G7, il y a eu un sujet totalement absent, qui est le sujet de la démographie et le sujet de l'organisation des flux migratoires, qui est pourtant un sujet non seulement d'actualité, mais qui est un sujet d'avenir. Twitter, il est impossible de régler les problèmes, ils ont réglé. C'est une question. Ils ont entendu parler évidemment de la Libye, puisqu'il s'agit quand même de la Russie. Non, c'est ça. Le rapport avec la Russie. Vous me dites, il faudrait savoir sur ce que je dis que je sais. Non. C'est ça, hein. Oui, bah tout à l'heure, on changera. Après. Très aussi politique, mais si on évoque la question du G7 de manière précise, c'est plutôt sur la forme un succès pour la diplomatie française, à l'évidence. Sur le fond. Toi, on va. S2. Absolument majeur. Je l'ai repoussé. Ouais, trois boîtes S2, il y a longtemps. L'Afrique, de l'organisation des flux migratoires, doit être un sujet traité par la démocratie française. Je constate qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron, je le regrette, n'est pas à l'initiative sur cette question. Moi, j'aimerais qu'on provoque un sommet euro-méditerranéen pour qu'on définisse une perspective, qu'on s'organise et qu'on organise notamment sur le sud.